Je suis dans quel niveau? Oui, parce que du coup. Dans un monde de dragons. Ah non, pas encore. Maintenant, dans un monde de dragons. Ah, ça y est, j'ai vu le compteur de viewers qui baisse, bah alors. Oh, il recommence 18 fois! C'est chiant! C'est le principe d'une run aussi. Hein. Mais bon. Quand on arrive à ce niveau du speedrun, on essaye de faire des trucs bien. Bah, bientôt, il y aura un niveau où, quand on ratera un truc sur la crique de Niesti, on recommencera. Ouais, je pense pas en arriver là. Putain, là. Déjà, avoir recommencé à Grands Arbres l'autre fois, c'était quand même. Déjà excessif. Hein. Oh, je suis à une heure de run, allez, je recommence. Ça va, je suis qu'à une heure. Je suis 1h29 de run sur 1h35, je recommence. PS à 1h29 de PB. J'adorerais. C'est mon objectif. Pour passer à Spyro 2. C'est ça. J'ai regardé sur speedrun.com, t'en as un qui est à 1h29.59. Lui, il est passé en dessous des 1h30, il a dit c'est bon. Le tout pile. En même temps, si j'arrivais à 1h29.59, bah, je me dirais pareil. Hein. Alors. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui départage le real time, je crois. Je crois qu'en cas d'égalité IGT, c'est le real time qui départage. Ce qui est dégueulasse pour celui qui met un SSD, quoi. Ouais. Bon, je serais pas promis au real time vu le nombre de fois où. Où je m'arrête à moitié pour. Ah oui, bah moi, le temps d'aller faire une clope. Une pause, c'est ça. Oh putain. Si je vais pas ici. Non, mais là déjà. Normalement, je l'ai plutôt que ça. Ouf. Ne pas l'avoir sur le truc à la frame, c'est une chose. Attendre le deuxième virage, ça me gonfle par contre. Ouais, quand il doit faire la moitié du tour, c'est chiant. Ouais. Je suis 49e mondial console. Actuellement, c'est déjà très très bien. Ah, je l'ai pas eu. Putain. Oh, bon, oh mais putain, je l'ai pas eu trop loin. Je veux pas recommencer trop gratuitement, donc je continue, mais je fais des trucs qui me plaisent pas. J'ai fait une petite baignade. Ah, j'aimerais bien voir Vallée Obscure, quoi, déjà. C'est déjà pas mal. C'est ça. C'est ça, personne ne l'a vu jusqu'à maintenant. Tout ça pour gagner 3 secondes. Faire... Ouais, et puis pour se faire défoncer sur Toasty et recommencer encore. J'étais à 10.46 tout à l'heure. En arrivant à Pacifique. Là, je pense que ça va pas être la même. Putain, les moutons qui m'esquivent, bordel. En même temps, tu vois un dragon qui fonce dessus. Bah, c'est eux qui me foncent dessus à la base. Un instant, c'est pas vous. Et c'est un mur. C'est une étagère. C'est un démon. Être passé dans sous. Enfin au niveau du top 50 du speedrun, je suis déjà très content. Je me disais bien que c'était un trop petit verre de boisson énergisante. Par contre les boissons énergisantes c'est diurétique. Voilà. Si jamais il y a un autre reset, je vous abandonnerai quelques secondes. Thomas. Pousse-toi le poulet. Ils ont pas la cote en ce moment les poulets. Ah, du coup il vaut mieux choper un papillon à l'heure parce que maintenant j'ose même plus mettre le feu à un poulet, hein. Ça va être mal vu. Ah, ça va être bien vu par 90% de la population. Oui non mais. Des cités. C'était un dragon.
Le premier mondial de la trilogie en speedrun a fait les 3 jeux en 5h25. En any% forcément, mais... Oui. Bah oui, super, j'ai raté le truc, on fait un tour gratuit. Allez chercher les coffres sur le côté là. Là c'est du frame perfect quand même. Faut surtout avoir confiance au fait que le souffle va lui toucher le bout de la casquette. C'est ça. Enfin, après c'est pareil, quand tu vois une run, c'est qu'elle a été reset 10 000 fois pour arriver à le faire aussi, tu vois. Mais... Mais putain de bordel de merde! Mais je vais te nommer! Qu'est-ce qui lui arrive? Vous avez vu ça là? Non mais hé! Bon, je vais je sais pas ce qui lui est arrivé mais. Tout va très très bien. Madame la marquise. Je l'ai laissé à la cinématique du coup. C'en est trop. Parce que du coup, je suis parti pendant la cinématique. Oui, c'est ce que je voyais que la cinématique a tourné. J'ai du travail. Ah non, elle va se finir, je suis pas prêt. Oh, il va être obligé de reset. Ma manette, elle est où? Oh la frame! Oh la frame! Je te vois qui galope un peu pour t'accélérer, genre... 5h25 minutes en 337% et 444 minutes en any%. 337. Le 5h25, c'est en ayant fait un 100% partout. Putain. Et y en a, il faut qu'ils aient une vie. 120 plus 100 plus 117, ouais, c'est le 337%. Narmod. Ah, comment j'ai couru, je l'ai chopé. J'arrive, paf. C'en est trop. On dirait que j'ai du travail. Allez. Bon allez, on se concentre, c'est toi. J'aimerais bien commencer un peu. Faut pas que j'oublie de... d'avion ce petit. Salut Naru. Ah, pas les papates dans l'eau. J'ai peur. Hein, j'aimerais faire une 40e tentative aujourd'hui pour ce voleur. Ça t'entraîne. Oui. Ouh, ça y est, il a réussi vol de jour, dis donc. Faut bien. 1,24 tours. Ah, c'est pas mal. Et j'ai galéré sur un voleur. Je peux descendre sous les 1E, un voleur, un avion. En fait, faut que je vois mon cycle d'avion, comment je... Parce qu'il y a toujours un avion qu'il faut que j'aille de l'autre côté du poteau pour revenir. Ouais, et cet avion, faut que je vois qu'est-ce qu'il fait. Pour aller le baiser avant... En prio, avant d'aller repéter un...
ma chambre se transforme en cimetière à mouches. Ah, ça j'ai pas, heureusement, mais c'est très chiant. Oh, hier j'ai fait mon ninja, moi. Il y avait une grosse mouche qui tournait dans mon bureau, et à un moment, elle est passée devant moi, j'ai réussi à l'attraper. J'ai tenu dans la main, j'ai été la relâcher dans la nature. J'étais gentil, hein, parce que j'aurais pu faire crouch. Ça aurait craqué sous mes mains. Merde. Bah non, je l'ai pas. Je t'ai pas très loin sur ce coup-là, mais non, tu viens trop près sur les gemmes rouges. Bordel de merde! Tu viens trop près. Faut vraiment t'écarter des gemmes rouges et passer entre les deux. Mais c'était à peu près là où j'ai... Non, t'es passé à travers la première gemme rouge, en fait. Faut que tu passes pile entre les deux. C'est vraiment... Ça peut paraître con, mais tu gagnes tellement de temps. Non, mais... Allez, les lardons! Oli! Je sais que Mibest est en train de jouer à Retour vers le futur, mais là, on est parti dans le futur, là. Oui, oula, oui. Il y a déjà des gamins, j'ai loupé un bout. Ouah, putain, je me fais peur sur des trucs de merde. Après, maintenant, le stair skip, j'y arrive très bien. Je dis ça, je vais le rater. Et le poteau skip, souvent, il me faut un ou deux tries, mais... Alors, j'ai intégré. Ce matin, j'ai fait des tests. J'ai refait 3-4 fois Vallée Obscure pour tester un truc. Et j'ai réussi tous les stair skips. Et là, tout à l'heure, quand t'es arrivé... Mon 10-46, c'était en ayant raté les deux. Voilà. Comme quoi, quand ça veut pas... Bah ça veut pas. Allez, j'en ai marre d'artisan, hein, je voudrais passer à la suite. Je joue bien. Oula. J'ai entendu le jeu, je crois, non? Non, j'ai eu un abonnement, mais... Enfin, un follow, mais... Je verrai quand je serai en train de chargement. Je suis désolé, j'ai... Oui, non, mais je me demandais ce que c'était que le bruit, c'est tout. Oui, parce que du coup, t'as tous mes sons d'alerte. Oui. Et merci. Je sais pas parce que j'ai pensé. Ah, bah, c'est Séphie. Merci, Séphie. Ça y est, j'ai rajouté un son d'alerte de Picsou. Ah. Je l'ai revu et j'ai trouvé. C'est quoi que t'as mis? C'est maintenant qu'il me le dit. Non, ça je te l'ai laissé, justement je vais chercher un autre. J'attendrai qu'il soit lancé, ce sera plus drôle. Moi je vais pas l'entendre, t'es au courant. C'est une qui peut être rigolote à placer selon le contexte, qui fait... Non, d'un kit écossais, mais c'est un G. J'ai enfin trouvé ta chaîne Twitch, ah bah voilà. Elle était compliquée à trouver. Et c'est quoi du coup, t'as dit? Non, d'un kilt écossais, mais c'est un génie! Ça peut être amusant selon le contexte. Toi qui dirais un truc intelligent du coup? Oui, ou le voleur qui arrive à faire un truc et qui me fume complètement, je sais pas quoi. Je crois que Spark ça part à ma Singem 2. Hein. Si c'est ça, je risais. Faire. Bah oui, ouais, je suis encore au début, mais ça me gonflerait. Oh, j'ai bien cru qu'il pouvait prendre ma flamme, lui. Je ferme ma gueule parce que j'étais en train de me dire les chiens se passent bien. Mais je sens que si je le dis, c'est fini. Alors, verdict. Sparks avait effectivement oublié une gemme de 1 et j'ai loupé le voleur de place du village. Je vais pas la réussir à démarrer, ça, là. Bonjour. J'en ai marre du monde de dragons. Oh, j'ai fait un beau toast steel. Regarde, je suis devant la porte quand elle s'ouvre, du coup, tellement c'était beau. Bah, je le suis presque tout le temps. Non, mais c'est de plus en plus régulier. Ouais. Ça prouve que ça s'améliore. Ça. Dans un monde de BS Max. Ah non. Un seul, ça suffit. Ouais.
Parce que je voudrais pas en croiser un comme moi en fait, donc. Plus de pierre, j'en peux plus, putain! Laissez-moi commencer à jouer! 84, j'ai l'impression qu'il manque des gemmes. Ah non, c'est bon. Tout ça, c'est fait exprès pour me rentraîner au voleur de collines de pierre en fait. Tu es prêt à y aller? Ah, je suis prêt à démarrer. Enfin, je remette un jour Spyro violet classique. Ou rétro. Là, attention, je vais regarder mon temps. 9,50. 9,53. Alors. Putain, joli. Hein. Ouais, franchement. Ça, j'y arriverai pas, hein, parce que je vois pas comment on... Du tout. Je gagne du temps sur certains autres trucs, mais alors là... .53, c'est quand même très beau. Oui, j'ai un papier où j'ai m'étais noté 10-0-0 et bah du coup il faut que je change déjà. Point. J'ai remis les musiques Reunited. Bah non, toujours pas. Nénénénéné, va te faire foutre. Oh. Des fois, j'ai l'impression qu'ils sont trop loin. Et des fois, quand ils sont prêts, tu tires dessus et tu les prends pas. Je comprends plus rien, moi. Mais baisse sur mise de la fatigue du parc. Eh ben, pas totalement, en fait. Elle est un peu crevée en ce moment. C'est ça de s'arroser, hein. Ah oui. Mais d'où il rebondit contre les murs, lui. Après, on fait des trucs presque tous les jours, donc. As-tu fini d'épuiser ta fille? Non, j'ai pas fini, je commence à peine. Tu lui rends tout ce qu'elle t'a... Toute la fatigue qu'elle t'a fait accumuler quand t'as été enfant. 11 ans de sommeil en retard, tu vas payer. Le père salaud. Ah, quelle horreur. Je les ai tous notés. Les fois où tu m'as réveillé dans la nuit. Il y a des cons qui doivent faire ça. Depuis ta naissance, maintenant que tu commences à travailler et que tu gagnes de l'argent... Tu vas me rembourser l'équivalent de 56 566 euros. Imagine les horreurs. Bon, il doit y en avoir. Hein. En fait, je dis pas ça pour rien. Je dis ça parce que je l'ai lu sur Reddit hier ou quoi. T'as un parent qui a vraiment fait ça. Oh putain. C'est ignoble. Oui, complètement. Aux États-Unis, évidemment. Oui. Pourquoi tu précises? Ah oui. Ah, Potoski praté. Il est au travail, il a dit qu'il lui a fourni une facture globale avec un prorata et tout, je sais plus quoi, en dollars. Oh putain, j'ai raté deux fois le Potoski. Je sens que ce matin va être une pure. Putain, trois ratés, mais bordel. Trois ratés, ça commence à être chiant pour le. Quatre ratés, non, il y a un truc que je fais pas bien là. Pourtant, t'es bien dans l'acte. Ah, ça y est. Ah, il avait pas voulu. Place du village, je voudrais vraiment bien arriver au Pacifique, moi aussi maintenant, j'en ai marre. Faut juste pas que je loupe ce putain de voleur. Allez, on se concentre. Concentré sur place du village, c'est qu'il y a un truc qui va pas quand même. Oui.
Bon, le voleur, c'est eu, quand même. Canyonaride, c'est fait. Canyonaride. Mais non, je suis à la place du village. Oh, c'est ton point de reset, c'est pas mal. Il va te remanquer une gemme de 5. Ah non, pitié. C'était un lapin. Ah en fait, quand tu vas chercher un lapin, ils prennent leur courage à deux mains, ils essaient de venir m'attaquer plutôt que d'aller se planquer. C'est bien. Continuez les gars. Je sais ce que j'aurais dû faire en fait. C'était un... Je suis un café en douille. Tiens, Ika, si tu es là... Top 3 fois. Toc, toc, toc. Si tu pouvais aller me chercher une petite boisson houblonnée dans le frigo en bas. Peu importe la couleur. Parce que j'ai soif. Et prends la dernière, du con! Les temps de chargement sont trop rapides pour que j'aille me faire un café. C'est ennuyeux. Allez, vol de jour. Un ananas. Je vais pas faire comme l'autre jour où je vais rater le voleur, là. Putain, je me suis senti con sur celui-là. Ah bah si, je l'ai raté, putain, mais quel connard. Tu la call. Ah mais faut que j'arrête de call les trucs comme ça. UU sponsorisé, quoi. Et allez, 4 tours. 5 tours, allez. Putain. Oh, quel connard. La perte de temps monumentale. On va pas par là! Putain d'avion! En fait, c'est ça, dès qu'on dit un truc, on le fait. On est con. Oui, c'est ça. Bon, attention, il faut vraiment pas que je fasse un PB en dessous de 1.30 aujourd'hui. Hein. De 1.20. J'essaie d'être un minimum réaliste. Autant passer sous une 30 je peux, autant là je vois pas comment gagner 13 minutes. Quoi. Je pense qu'il calme, n'écoutez pas. Une 29-7. Ah oui. Vas-y là. Vas-y, pose. Merci. Je vais le faire en plusieurs fois, mon café. Là, j'ai une machine. Au prochain chargement, je cherche une tasse. Au prochain chargement, je appuie sur le bouton pour faire couler. Je finirai par l'avoir. Mais, par là. Mais, t'es pas censé partir de ce côté-là, normalement. Chargement. Une tasse. Bon royaume pour une tasse. C'est bon, il coule. Je vais la voir. Je vais la voir. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Il a fait froid du speedrunner. Moi j'ai une affiliée blonde, voilà. Une bière d'abbaye. Oh. Affiliée game, quoi. Mmh. Y'a personne pour assurer l'hydratation, non. Si j'ai un mini BS, mais elle est en train de jouer, je vais m'embêter. Me voit mal pendant qu'elle est en train, elle, de faire son jeu.
MVS, viens me faire un café. En plus, elle doit être passée dans le champ de la caméra et je la préserve de tout cela. De toute cette merde. C'est ça. Il est mince. Normalement, je chope les deux gemmes derrière lui avant. Je l'ai touché sur le bord. Comme ta sœur. C'est vraiment une histoire de sœur, voilà. Bon, docteur Shem, est-ce que je vais mourir deux fois? En fait, les morts, mes morts sur Dr. Shem, ça a été con. C'est... Je suis arrivé sans Sparks, donc déjà, hein. Déjà, ça part mal. Et en fait, arrivé, tu sais, au tourbillon, là où tu sautes pour aller choper la clé qui est tout en haut. Oui. Eh ben, comme j'avais pas Sparks, Sparks n'a pas ramassé les gemmes, ce qui est logique. Et en fait, j'ai eu un réflexe de faire un petit mouvement sur le côté, du coup, pas assez de vitesse pour aller choper l'endroit où il y a la clé. Ah oui, ça t'a perturbé dans ton routing. C'est ça. Et la deuxième. Ça, c'est le pire en fait, ça. Et le deuxième, du coffre jusqu'au petit machin à péter après, et ben. J'ai oublié qu'il y avait un trou. Ah. Elle va speedrunner avec un animé à la place de cette tête. Non, elle aura le. Tu sais, le casque des streameuses avec les oreilles de chat. Elle l'aime bien, n'empêche, le casque. Elle. Oh, y'a rigolo, quoi. Tu l'as ? Comment ça ? Mais putain, le temps de chargement, c'est pas possible qu'il soit aussi rapide ! J'aurais jamais dû l'installer sur un SSD. Jamais. Voilà, j'ai perdu plusieurs secondes. Je suis allé chercher mon café, c'était déjà jouable. J'ai à peine le temps de me lever que je suis sorti. Du niveau, ouais. C'est l'histoire de ta vie. Elle veut avoir un ordi gamer à elle plus tard, oui. Elle a un ordi portable et elle sait que le jour où je renouvelle mon ordi, elle reçoit celui d'encore avant. Parce que j'en ai deux qui tournent. Enfin, t'as les matos aussi. Eh ouais, enfin. Mais bon, déjà, là, il est en train de jouer sur la PS4. Elle est pas en manque de moyens de jouer. Putain de chien poubelle de tes morts! Chien poubelle! Les règles de recyclage ont changé. Je sais plus. Le niveau de merde. J'arrive à rester relativement calme. Mais qu'est-ce que tu me fais, pauvre connard de. Bite! Au moment où je dis ça. Je déteste ces chiens. Au moment où je dis ça, y'en a un qui perd son sang-froid. Non, non, mais attends, j'ai plus Sparks, je me suis fait encore baiser par les chiens, là, je suis à deux doigts de re-restart. Parce que j'en ai ras-le-bol. Non. Quelle bonne idée, j'ai eu... T'étais bien parti, t'étais à Pacifique quand je suis arrivé. Bah ouais. Je vais jamais arriver à reprendre. Christopher va aller suicider et changer de viewer. Mais là, c'est pas possible, je peux pas. Je vais arrêter le live et je vais te regarder. Ah bah super, bravo. Ah mais putain, j'arrive pas à démarrer alors que ça fait... Alors, même s'il y a eu un faux départ et que j'ai attendu, ça fait en soi 1h30 que le live a commencé et rien n'a commencé. Donc... C'est l'histoire de ma vie. Ça saoule quand même. J'étais mieux parti avant. Pourquoi j'arrive pas à repartir? Ma faute. Non, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à le refaire. C'est juste que là, ça marche moins. Tu disais ça à tes ex? J'ai déjà fait, alors je peux le refaire. Je sais pas pourquoi ça marche moins. Ça a du mal à partir. Oh putain, le compteur de viewers. Ah, ils aiment pas. Hein. Je suis passé de 6 à 3 au moment où j'ai cliqué sur quitter le jeu. Direct. Chez moi. Non. Merci d'avoir fait ma pub tout à l'heure d'ailleurs. Mais je suis gêné que tu fasses de la pub pour moi.
Ah écoute, je mens aux gens en disant que tu fais des bons lives. C'est pas faux. Bon, Eye of the Tiger, j'en ai marre, je voudrais avancer. Va taper dans un jambon. T'as pas changé le titre de ton live. J'avais déjà mis Speedrun Spyro, de toute façon. Non ? Ou c'est l'ancien qui est resté ? Il ne reste que les meilleurs, oui. C'est toujours Zelda ! Je l'avais changé, mais j'ai... Tu sais, parfois je clique sur OK et il y a marqué erreur. Faut que je reclique dessus, sauf que je le vois pas. Caverne de glace. Merci d'info. Colline de pierre. Je connais ce niveau. Ah, moi aussi, Hélas. T'es la Kélos. Bah non. Bordel de gnou. Là, je pense que j'avais pas la bonne trage. Oui, t'es beaucoup trop à gauche en fait. Il part, ouais. Du coup, il part quelques frames avant et c'est ça qui. Oh bah super. Faut que j'arrive à identifier ce truc. Moi maintenant, c'est devenu un réflexe. Alors, mais c'est bien. En quelques fois, hein, c'est ça qui est bizarre. Bah quand t'arrives à repérer un truc ou avoir un repère visuel, ouais, ça peut vite devenir un. C'est même pas un repère visuel, c'est un feeling. C'est comme toi avec le mini blast. C'est comme moi avec le mini blast, ça voilà. Parce que j'arrive pas vraiment à dire où je le fais. Je sais juste que ça passe. L'autre jour, je l'ai réussi le mini blast skip. J'espère que je vais le réussir aujourd'hui parce que c'est quand même un sacré gain de temps. Ça ouais. Merci mini blast. Oh, attends, monsieur, maintenant que mes temps de chargement sont plus rapides. Je vais pas avoir le temps. Oh, la technologie, c'est chiant. On a plus le temps de rien. Ok, boomer. Notamment en conduisant la voiture de la grand-mère d'Ika, du coup, elle va devenir notre voiture. C'était très drôle parce que je me suis retrouvé à me dire « Putain, en fait, mais j'ai pas le GPS, je suis sur des petites routes, je sais pas où je vais. » On s'habitue. Hein. Je roulais et du coup, j'ai suivi les panneaux. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas fait depuis longtemps, mais... C'est un problème hein, parce que je suis tellement habitué à rouler au GPS que j'ai beaucoup plus de mal à rouler sans GPS. J'ai suivi des panneaux, voilà. C'est pour ça que j'ai suivi des panneaux de village que je connaissais, surtout. Ah bah oui. Le fameux... Oui. Le Wacken. Mais quoi ? D'accord. Ah d'accord. Tout va bien. Non mais c'est bien, je suis tombé du tour vivant. Tout se passe bien. Ouh, ah, bonheur. C'est un mur. C'est une telle merde. J'avais laissé parler un peu le dragon parce que j'étais en train de changer le titre du jeu sur Twitch. Sparks, il fait des sparkseries. Waouh, j'ai failli prendre le tourbillon de caverne de glace. Est-ce qu'on peut appeler ça faire une BS? Probablement. J'ai fait une fois. Ah, j'ai eu chaud là. Les cavernes de glace, ça m'est déjà arrivé de me barrer. J'en ai marre sans de le faire le niveau depuis tout à l'heure. Ah, le tourniquet de Metalhead. Il est où ce con? Il va aussi vite que moi. Mais hey, on est comme des cons en train de faire des tours. Il va aussi vite que... Quand il skie, il va aussi vite que toi. Voilà, je ne savais pas. Je pensais que tu le rattrapais, mais alors pas du tout. Ah mais ce toréador qui s'arrête de tourner... Toréador, ton cœur n'est pas si fort. La 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 la. La 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 la. Que je chante quand je suis sous la douche. D'accord. Pas du tout. Ah, il m'en manque. Il en manque une. Quoi?
Ah oh bah il manque des gemmes, super. J'ai eu le voleur, il n'y aura pas le reset du voleur, heureusement. Mais il me pointe par où ce con? Ah là. Bon ça va, t'es pas très loin, mais quand même 15 secondes de perdu, super. Quel con. C'est quoi ce niveau? Je l'ai jamais fait. Arrête de rester ici. Est-ce que... J'ai eu un taureau coincé dans la fontaine, tiens. Camoulox. Ah oui. Moi c'était hier que les runs ça n'allait pas et du coup c'est pour ça que j'ai jamais été au bout d'une run parce que ça voulait pas. Putain mon ventilo il me souffle dessus mais j'ai chaud quand même. Ouais, ça a fait 1, 2, 3, alors qu'il y en avait 4. Ça fait 1, 2, 3, petit mama. Merci Sparks d'avoir oublié une gemme. Tu la vois, elle est là, elle brille. Mais Spyro, oh, c'est bizarre ça. Il était pas mis dans le bon sens pour sortir de la montgolfière. Il était de côté. Ça m'est arrivé aussi, ça. Je sais pas pourquoi. Mais quoi? Il sort de côté, genre, hop, les... Mais du coup, la caméra est pas du tout tournée là où il faut. Sympa. Oui. Non, c'est pas drôle. Ça me l'a déjà fait et c'est perturbant. Et pareil dans Butin Dynasty, quand tu mets une clé, il a tendance à se retourner sur une des portes. Genre des détails que tu vois que quand tu run le jeu finalement. C'est ça. T'en fous. Bon, allez. Trop éloigné. Putain, mais c'est une catastrophe là, le vol de jour. Je t'ai vu rater un. Chauffer le. Ah ouais, il était un peu rouge. Hein. C'est ça, ouais. Quand ça me fait ça, ça m'énerve. Ah, c'est pénible ça. 1,40. Oh là, ouais, là il va être très 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 mauvais ce vol de jour. Et va te faire foutre, toi! Va te faire foutre le plafond, va te faire foutre la porte! Ah oh, putain. Va te faire foutre le chat. C'est ça. Tout est super pourri, tout me fait chier, cette run est moisie. 1,39,0, ah vas-y, viens ta mère, qu'est-ce que c'est nul ici. C'est-à-dire que parfois je restart des runs pour des pertes de temps moins grandes que le temps là que j'ai perdu sur vol de jour. Camoulox. C'est clair. Ah oui, ma run je l'avais arrêté ici au voyage magique parce que il y avait un des magiciens là où je suis, il a réussi à me pousser dans le vide et j'étais dégoûté. Il m'a foutu un coup d'éclair de glace dans la gueule et Spyro il a roulé jusqu'au vide. C'est quoi. Là je me suis dit ouf. Ce sera pas le 10-46 de tout à l'heure. Hein. C'est chiant d'attendre que la porte s'ouvre. T'as envie de foncer, tu peux pas. Un peu. C'est ce que je disais, avant j'avais des bons timings sur ce niveau et maintenant fini. Je sais pas ce que j'ai changé, mais il y a un truc que j'ai changé et les timings du coup je me retrouve à attendre alors qu'avant ça je pouvais foncer sans avoir à attendre. Et wow. Tu dois avoir un genre de seed parce que il y a quand même un truc particulier. Tout à l'heure où je m'entraînais sur la vallée obscure là, je commençais, je lançais le jeu, j'allais sur vallée obscure tout de suite. Ouais. Et ben les petits voleurs grenouilles là n'avaient pas du tout la même position. Ouais, c'est.
Il doit avoir un timing global qui se lance quand tu lances le jeu. C'est ça, c'est basé sur les tics, quoi. Mais meurs, toi! Espèce d'ours. Parce que c'est un ours, BS, hein, je te rappelle. Ah, des chenilles, tu veux dire. Putain, des chenilles, quoi, mais quelle horreur! Le jour où tu croises une chenille de cette taille-là, putain, fuis, hein. Faut que je m'inquiète, toi, je sais. Oup! Et bah voilà. Il avait pas ramassé une gemme qui est partie dans les airs. Non mais c'est pas possible, y'a rien qui marche, ça me saoule. Tout le monde est parti. Hein. Ouais, oh, je l'ai eu à la frame. Amen. Oh, oh putain de bordel de merde. Lequel? Le voleur de chaîne Alpine. Enfin de. Oui, de chaîne Alpine. Oh, bien joué. Oh putain, je savais même pas que c'était possible, c'est la première fois que je l'ai. Je... Oh, le gain de temps. Oh, je gagne 3 tours. Arrive. Amen. J'arrête pas cette run. Je dis ça et je vais crever de façon très con d'ici 2 secondes. Je gagne au moins 45 secondes là sur... Un truc pareil, ouais. Je pense que le jour où je ferai vraiment un PB, ce sera en l'ayant réussi ce truc. Il y aura plein de runs où j'aurais raté, mais... Je vais même pas voir mon temps sur Artisan. De toute façon, j'en suis pas encore là, j'ai encore Toasty à faire, mais... Si les chiens veulent bien. Oui, c'est ça. Ah, c'est marrant, j'ai tué le voleur, il est tombé dans l'eau en mourant et ça a fait pouf. Voilà. L'émerveillement de rien du tout. Une phrase extrêmement sadique hors contexte. Quand il est mort, il a fait pouf. C'était drôle. Grottes élevées. Ouf. Ah, t'arrives à. Ah non, j'allais dire t'arrives à Pacifique parce que je jouais du orange, mais pas du tout. Non. Je ne suis encore qu'à Toasty. Oh non, mon ventilo. Oh non, merde, il est tombé et il s'est débranché. Putain, je me suis fait toucher au début de Toasty d'une manière, ça m'était encore pas arrivé. Intéressant. J'ai à peine commencé. Ah oui, par le berger. J'ai réussi à faire Toasty sans me prendre le moindre dégât. Voilà. Bien joué. Je crois. Putain, le chien de merde. Et vas-y, deux fois il le fait. Pourquoi se contenter d'une ? J'ai une phase de régression. Non mais là, j'ai une phase de régression énorme sur Toasty. Hein. Ça, normalement, c'est après les fêtes, mais... Je vois même pas pourquoi je continue. Là, ça me nécessiterait de recommencer. Si je suis à 12 à Pacifique, c'est même pas la peine, je recommence. Je vais être à 11,59 juste pour me faire chier tout seul. Si le temps que je fais à Pacifique ne me plaît pas, je recommence. Ça, il me si je fais moins de plus de 8 minutes, je quitte. Ah putain, vas-y, j'en peux plus ce truc. Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça, n'empêche? Non mais ces chiens qui sont buggés du fion, ils me font c'est tellement for the best. Chier. Mais putain, mais ils sont infernaux, c'est pas possible. Concentre-toi, petit scarabée. Je vais juste regarder mon temps, mais là, ça me plaît pas. Donc... Yves ? Oui. On va regarder à quoi il ressemble. Juste voir, mais de toute façon, là, c'est de la merde. Oh, je l'ai eu. Je suis bon, je l'ai eu. T'as pas ramassé ça? Bah non, t'as pas ramassé ça, pauvre con. Bon, là, c'est à titre informatif, parce que de toute façon... C'est ton métier, ça? Oui, aussi. Oh. Aïe. Allez, vas-y. Regardons juste pour voir.
Mais je vais pas commencer une run avec un artisan pareil. Je sais pas ce que je fais. J'ai pas envie de prendre avec un truc pareil. Ouais, t'as déjà fait pire, hein, on va dire. J'ai déjà fait pire, mais... Ah mais putain, l'araignée qui est à côté de moi et qui... On a rien à foutre, elle était pas sur le chemin. J'ai trois araignées à les buter. Ah, la dernière qui se planque, non, moi, c'est la toute première. C'est la toute première, moi, qui se planque. Ouais, ouais. Ah, la première, ça m'est pas arrivé. La deuxième, parfois. Ah, la dernière, ça m'est arrivé plusieurs fois. En soi, ça fait pas perdre un grand moment, mais bon, c'est chiant. Bon, à mon avis, il y aura pas de run aujourd'hui chez moi. Ah, mais non, j'ai raté un coffre. Parce que le live a commencé depuis 2 heures et la run n'a pas commencé, donc je vais être mort à la fin. C'est pas déjà le cas. Tu veux pas aussi, mais encore plus. La petite. Regarde-moi. Toi, j'avais pas prévu de streamer cet après-midi. En plus, je m'étais dit, ah, je vais prendre un moment au calme. Oups. Ah, t'as, ouais, oui, d'accord, t'as recommencé ta colline. Ah oui, non. J'avais pas oublié. Ah. 10-54 ou pas 10-54, la façon dont s'est déroulé cet artisan, ça me plaît pas du tout de commencer sur une base pareille, quoi. C'est une base, alors si les fondations sont pas bonnes, derrière ça tient pas. Oh putain, j'ai eu chaud. Il a levé le mur, mais genre à la frame. Là, c'est la grosse question, est-ce que je vais réussir les lignes des... Ah, on est là. Si j'y arrive, ça peut être un moins d'une heure trente. Ça pourrait être chouette. Ça peut. Parce qu'elle part pas mal, ta run. Si elle continue pareil. Je fais 9,50... combien ? 9,53... Ouais, c'est joli ça, 9,53, la vache. Quel beau temps. J'essaye de focus un maximum pour... pas faire trop de conneries sur artisan et enfin partir correctement. Et moi donc. Je sais que tout peut s'écrouler très vite en fait, moi c'est pour ça que je me mets toujours ça, ouais. Tu peux faire un super truc au début et puis à la fin tu vas faire un truc qui va te faire perdre tout ce que t'as gagné. C'est la dure loi du speedrunning. Il y a jamais de constance. Bon, je sais pas, il y a peut-être une constance qui fait des speedruns, mais... Je vais chercher une bonne avec ça, donc. Touché. Aïe, mais genre, il me dégomme, mais à l'autre bout du jeu, quoi. Je sais qu'en plus c'est pas intéressant à regarder quand ça reset tout le temps, et j'en suis désolé. Mais en même temps, bah, c'est le but de quand faire, on c'est est le... au stade du speedrun où t'essayes de faire des chronos meilleurs, il y a toujours des resets. Ça fait partie du truc. Ah, raté. Putain, bon, je vais le réessayer un coup. C'est quoi que t'as raté? Ah, le mini-BS. Je me suis à moitié coincé dans le mur invisible où, ah où je disais que je me coincais pas. Oh, fonce. Mon colline de pierre a été bon, même si j'ai évidemment pas eu le voleur. Mon colline de pierre a été bon. Faut vraiment que je fasse un bon artisan et que je passe à la suite, parce que là, ça me... Faut que je rebranche mon ventilo parce que je suis en train de fumer, là. J'ai 25 ici. Ah, moi, je ne sais pas, mais là...
Là, je... Dans mon bureau, je pense que ça a dépassé les 30. Hein. Largement. Oh la vache. Ah non, mais mon bureau, pour ça, il est affreux. Le PC plus la console, il est petit, hein, tu vois. Il cumule la chaleur. Tiens, je te crame le cul, toi. Oh putain, j'ai failli charger dans le vide. La boulette. Ah, la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Oh là, les droits. Donc je montre ce film à mini BSN ces jours. On va dire, mais il con. Bah oui, c'est justement le principe. On dirait toi, papa. Pardon, c'était gratuit. Elle ne joue plus un seul jeu vidéo de sa vie. J'ai l'impression d'oublier un truc par là, je sais pas pourquoi. Ça me le fait parfois, souvent à tort, heureusement. Et parfois à raison, je me dis, ah, mais c'est tout, c'est vrai. Et t'as un brain fart. Oh, qu'est-ce que je fais? Putain, je me suis fait très peur. Hein. Je me suis dit, je peux choper le coffre sur le côté pour gagner du temps, mais alors pas du tout. Et du coup, j'ai failli rater ma supercharge. Enfin, ce souvenir de ce coffre-là, de... enfin, pas ce coffre, ce truc métallique, croyant, dans la toute... une des toutes premières runs qu'on a fait, j'ai eu l'impression que c'était un coffre à clé. Ah oui, je me souviens de ça. Brancher le ventilo déjà. Ah, vite, se rasseoir, se remettre en place. Ah, c'est bon. Ouf, putain, juste au moment où ça reprend. Ouh. Qu'est-ce que t'es allé faire? Rebrancher mon ventilo qui était tombé et s'était débranché. Ouf, j'ai eu. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais du mauvais sens. Mais Spark, ça a deux bouffées. Putain, il me manque une gemme, je sais pas où. Une gemme ou deux? Où est-ce que j'ai pu rater des gemmes ici? Je commence à avoir le stress à me dire j'ai réussi un truc. Hey, ça c'est le pire ça. Du coup je gagne du temps, mais au final du coup derrière t'en perds parce que tu stresses. Oh, tu stresses. Bah tu... Ouais, tu te tends. Tu te mets la pression. T'es pas au bar. Ah 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 ah. Je suis pas Jean-Claude Convenant. Ouais, qu'est-ce que je fais? Oh putain! Oh, je vais pas crever là! J'aurais pu. Ah oui, tu viens de voir. Oh putain, c'était. Je sais pas pourquoi Spyro est parti du mauvais côté par rapport à ce que je croyais qu'il allait partir. Altaïr! Là, si j'ai pas Spark sur Fanfaron, c'est chiant hein, parce qu'il y en a des gemmes à choper. Ouais. Oh bah voilà, reste en bas quand j'arrive, Fanfaron, ça m'arrange. Ça m'arrange grandement. Bon, c'est drôle ça. Quand je suis arrivé dans le temps de chargement, Spyro il a eu une animation de quand il atterrit. Il y a eu la poussière sous ses pieds. Ah putain, j'ai pas fait vol de cristal, c'est pour ça qu'il me manque des gemmes. Ah bah c'est ça que t'avais oublié.
À vouloir aller trop vite, on oublie des niveaux. Ça m'est arrivé sur une run à un moment. Bah, j'ai déjà raté vol périlleux une fois. Ah oui, moi aussi une fois. Si, mais il manque un niveau. Ah merde. C'est pas une mais il me manque un truc là. Bien, j'ai pas le compte de gemmes que j'ai habituellement. C'est ça. Alors, ça dit quoi là? Ça dit qui? 1,32. C'est encore pire que de thème. Non, tout à l'heure t'as fait un 40. Non? Un 39 si. T'avais fait. Ah oui! Ah bah c'est mieux alors. Putain, mais. Sérieusement? Oh, tu as raté un avion. Il y a 15 secondes à choper le petit voleur de gemmes parce que il t'échappe. Pas 15. 8. Ah non, j'ai pas raté un avion. Je croyais avoir raté un avion, mais pas du tout. Les vols, faut que je regarde sur les World Records, le chemin qu'ils font. Alors, sans faire les chutes avec récupération au bord de l'eau et tout. Parce ouais, que... alors ça, j'ai vu faire. Ça, je peux pas. Mais tu sais, le chemin globalement qu'ils font. J'ai recommencé 150 000 fois pour y arriver. C'est moi le world record en 1,08 sur un vol de jour. C'est ce chemin globalement que j'ai entre guillemets copié. Fin... Sauf que t'es pas du tout un 8 quoi. Je suis un 20. Ouais, c'est. Le minimum que j'ai fait, c'est un 20. Ah, c'est bien déjà. Mais faut avoir. Faut que les. Faut que les étoiles s'alignent au niveau des. C'est ça. Des avions. Les avions s'alignent. Ça arrive, hein, mais. Ouais. Bon. Créateur d'animaux. Je vais regarder le temps que je suis, je vais me le noter. Vallée obscure, hein, tout va bien. Je sais pas si c'est un film. Ta run, t'auras le temps d'en refaire une avant que j'ai fini à mi. Ouais, ouais! Non, mais vu le nombre de fois où j'ai recommencé, surtout. Et j'aimerais bien que là ce soit pas le cas. Pour l'instant. 40,06. Pas mal. Je sais même pas si c'est un PB, je l'ai noté en entre guillemets PB. Oh putain, bah oui, mais si tu tombes dans. Si je tombe dans l'eau, forcément ça va pas le faire. Et en route. Pour le monde des ouvriers magiques. J'ai eu le mot route et ronde et monde. Ronde. Mmh. En ronde pour le mout des ouvriers magiques. En ronde pour le mout. C'est beau. Allez, il reste hostie. Je suis en train de fondre dans mon bureau, ma putain. J'ai mon thermomètre, mais il a plus de pile, alors c'est con. La pile a fondu. Non, il a 5 ans, le machin, et je pense que la batterie, enfin la pile, on pourrait aimer de vivre 5 ans déjà. C'est déjà pas mal pour une pile, hein. C'est pas faux. Petite pile plate, là. J'ai pris le temps de choper un mouton pour avoir Spark Sunfond avant d'aller chez Toasty quand même. Bon, à nous deux les chiens. Le début de la run jusqu'à Toasty, pour l'instant, c'est mieux passé. Peut-être enfin pouvoir démarrer s'il n'y a pas de problème avec les chiens. Les chiens. Les chiens. Le canif. Allez, on va se concentrer sur ces putains de clébards. Putain, Spark, ça a pas pris la rouge, quoi. Spark, tu me saoules parfois. Elle est là. Je suis passé à côté.
Putain. Dégage. Un hit. Beaucoup trop concentré sur ce niveau parce que j'en ai marre et que je voudrais commencer un peu plus à avancer. T'es pas consanguin, ça va. Oui, non. Enfin, si, parce que je suis con et puis j'ai pas d'argent, mais... Je l'ai vu venir, mais tellement à 10 milliards de kilomètres, celle-là. Putain, mais j'ai perdu Toasty. Putain, je me suis fait taper par Toasty parce que je savais pas où il était sur la caméra. J'ai perdu Toasty. J'ai perdu Croustillon. C'est ça. J'ai quand même perdu pas mal de temps sur ce niveau, mais c'est moins pire. Je pense pas que ce soit un 10-46, mais ça devrait être mieux que celui que t'as. Alors, je te dis 10-20, moi. Sachant que je vais perdre un peu de temps pour aller jusqu'à l'aéronaute parce que j'ai plus de place. Oui, ça perd beaucoup de temps. Le tournicoté tout seul comme ça. Tournicoton ! Tournicoté, tournicoton ! Mon record est en 10-44, est-ce que j'ai fait mieux ? Toi, je continue sur Pacifique. Enfin. Et tu as combien de temps ? 10-30. Bah, ah, j'étais pas si loin que ça avec mon 10-20. Bon, ça reste mon meilleur temps jusqu'à maintenant, mais faut que je fasse mieux. 10-29, parce que t'as pas lâché immédiatement. Ouais, j'attends toujours de un tout petit peu. Ouais, on va dire 10-29. Mais bon, c'est l'équipe. Allez, tu peux le faire. Ouais, t'as pas Sparks. On est en Sparks Bay. Il y avait des lapins pas loin. Je sais, mais je sais qu'il y en a un au début de ce niveau-là, donc je me dis autant le récupérer là. Je vois. Moi, j'arrive à au niveau avec la salle de la mort. Ah bah oui. Sinon, c'est pas bon, drôle. Je suis content d'enfin être arrivé à Pacifique. Désolé le chat qui est parti aux trois quarts, mais désolé le chat. Pour ceux qui voulaient regarder vraiment tout le niveau déroulé, c'est au bout de 2 heures de live que ça commence. Seuls les vrais restent. Oui, les meilleurs. C'est bien de changer un peu de niveau. Là. Tout m'étonne. Putain, j'ai perdu du temps sur un cactus. J'ai perdu du temps sur un cactus. C'est dans Spirou que tu peux dire ça. Ou alors sur le périph derrière une Citroën qui conduit mal. Toi aussi Marie Bruve. Ah toi aussi t'es en train de le faire. Bon, salle de la mort. Alors, est-ce que je vais réussir le poteau ski ? C'est pas encore, mais... C'est possible. Wow. Boris ! Bon, j'ai pris 2 hits dans la salle de la mort. Et 2, même pas par les grenouilles, c'était les machins, les autres, les gnolls. Ah, oui. J'ai perdu un tout petit peu de temps à me replacer comme il fallait, parce que j'avais pas envie qu'il me fasse chier. Voilà où on en est dans le poteau skip, dans la salle de la mort. T'as dit le poteau skip, du coup je. Oui.
cracher du feu toute ma vie. Et non. Ouf, il m'est passé à travers le méchant. Ah putain. C'est tellement chaud. Ah, c'est pas la journée potoskip par contre. Non. Et puis j'ai Sparks en vert, alors je peux même pas gagner du temps en tapant les feux d'artifice. Sinon je vais en perdre après, donc ça servira à rien. On va coucher. J'ai eu au troisième coup le potoskip. Moi c'était quatrième. Qui d'après mon calcul est j'ai déjà perdu trop. Temps. Ouais. Et j'ai perdu ce parti de bordel de nous. Je sais pas si j'ai le bon compte de gemmes. Putain, je suis mort. Comment c'est possible de mourir comme ça? Mon dernier dragon, c'est avant le potoskip. Si, on va passer par l'autre côté du coup. Attends, je suis où? Non, c'est là. Oh là là. Bon bah voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, j'ai raté une gemme. Qu'est-ce qu'il me dit? Où ça? J'ai oublié de prendre la gemme du début? C'est con, ça. J'y suis allé, là, pourtant. Ah bah, j'y suis allé, mais il a pas pris. Ah bah oui. La base. Comment il s'appelle le niveau, Salmon? Putain, la verte Sparks. Boss. La retraite à 64 papillons. Bon bah, vu ce qu'il bouffe, il est bientôt. Hein. Oh, j'ai perdu du temps en mourant comme un con. Oh putain, bah j'ai fait crever. C'est fini quand même. Hein. C'est pas non plus la perte de temps qui te fait backtrack un niveau entier, mais. J'ai une petite chose. Vol de Périlleux. Vol de Périlleux. On m'a volé mon Périlleux. Il était là! Faudrait que je le revoie, ça fait longtemps. Ah, les trois fantômes, c'est du top du top. Ah oui. Il m'a dépendu mon pendu. Village Shepper. C'est pas Shepper. Ouais, je prends un max de hauteur. Je fais un lopinge. Silver Star Dragon. J'ai pas de looping dans le super. C'est vrai. Heureusement. Sinon, faudrait qu'il prenne deux fois plus de hauteur. Je laisse après. Ou que, qu'il fasse un truc lancé. Hashtag Blue Fire. Mais brûle, connasse! Non mais vraiment? Non mais c'est une blague! C'est la première fois que je reset autant! Ah voilà, super! C'est un très mauvais vol perdu. 6 fois j'ai dû sauter pour choper la flamme. 6 fois! Ah maintenant j'en suis à 2 ou 3, c'est. C'est rarement. D'habitude, hein. Moi aussi j'en suis à 2 ou 3. Max. Là c'est je crois que c'est la première fois que je. Ça marche à ce point pas. Point pas la flamme. Ramasse. Je déteste le fait que la gemme des chaudrons ne se ramasse que quand elle est au oui. sol. Une fois que l'animation est finie. C'est ça. Cime ouais. des arbres. Ça va. J'ai plus peur celui-là maintenant. Ah non, il me fait plus peur, effectivement.
Mais t'as vu que les gemmes des chaudrons, c'est même pas Sparks qui les ramasse souvent. Ouais. Mais brûle. Oh là là. J'ai quand même eu légèrement peur de rentrer dans le vortex. J'étais un tout petit peu proche là. Il est où ce con? Je suis là. Non mais encore un autre. Ah, je suis coincé dans un champignon. Encore des phases qu'on n'aurait pas pu entendre. Mais putain. Ramasse. C'est toi qui ramasse. Putain, il me manque une gemme de 2. C'est forcément dans ce coin-là, là. Oh, sérieux, pourquoi tu l'as pas ramassé? Tu fais chier. Je perds un temps fou à base de 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là, ce qui fait des minutes entières à la fin. Voilà, mais Spyro m'a fait un truc magnifique. Il y a deux coffres, tu sais, les trucs où tu souffles et ça envoie la gemme. Un à droite un peu plus éloigné que celui de gauche, je souffle. Celui de droite qui était le plus éloigné saute et pas celui de gauche. Ok, le jeu, si t'as envie de m'enfuler, vas-y, grassement. Le jeu, il fait ce qu'il veut parfois. Hein. C'est toi, histoire de bête. Il fait surtout pas ce que tu veux, toi. Mais des fois, il y avait un jeu de glace. Les hitbox sont chelous des fois. Ouais. J'ai rien oublié. Non, c'est parti. Spyro est lent quand il plane, putain. Bah, il est pas fait pour aller vite, quoi. Ça nous paraît long. Maintenant, c'est ça. On est devenu de gros à l'heure. On y était déjà en run, dès qu'il y a la moindre milliseconde de perdu. On remet en question nos vies à chaque coup. Oh, tout est foutu, j'ai perdu au moins 2 secondes. Ah, tu sais, les mecs qui se battent pour le premier mondial, ça doit être ça. Hein. Ah oui, ça doit être affreux la vie. Ça doit être un stress ridicule. Ouais, parce que c'est même moins que des secondes entières dans ces cas-là, quoi. C'est chaud. Tu fais une micro-erreur, tu recommences tout. Après, c'est vrai que quand t'arrives au stade où... Ah, j'ai pas repris ça, j'ai mal vu. Chier. Quand t'arrives au stade où ton chrono est si proche que ça du record, ouais, je pense que peut-être tu l'essayes. Oui. Je sais pas où Spyro s'est appuyé pour sauter et ses 4 pattes étaient dans le vide et il a sauté quand même. Je pense que c'était du pixel. Alors c'est la première fois que je tombe ici. Ah oh, mais je reprends. Oh putain, mec. Des couilles. Courage, je sais. J'ai commencé le... Enfin, commencé. J'ai avancé dans le quiz Disney. J'en suis à 20 questions sur 100. Il y avait du Bernard et Bianca que j'ai regardé en grande partie.
J'en suis à 280 questions sur ma base de questions de coaster et de parc, mais il m'en faut encore plus. Par contre, que je vais faire deviner aux gens si c'est un Vekoma, un Nintamine. Quelle horreur. Bon bah voilà, j'en suis au point où je marche. Alors voilà le point où il marche. Il y a chaque coup ce cool. point. C'est combien à Mecha... Merde. Metalhead. Metalhead, le nombre de gemmes. 239. Je le note. Quand tu arrives à Sadiki. Oui. Oh là là. Aujourd'hui beaucoup moins que l'autre jour, mais je m'agace quand même. Moi je vais pas dire que ça va, mais c'est une meilleure run que l'autre jour. C'est pas dur, hein. C'est ça, sauf quand Sparks me saute des gemmes. Et c'est une gemme, je sais qu'il la saute celle-là. Ouais, il y en a comme une ça. Rouge là qui. Ça devrait pas, mais on sait qu'il y en a, c'est ça. Un Toys for Bob. Vous savez pas coder, hein, bande de sac à merde. Regardez, Crash Bandicoot, ça. Bravo. N'empêche que Toys for Bob, s'il se penchait sur Spyro 4, je serais content quand même. Hein. Ils sont penchés sur Crash Team Rumble, là, qui m'a pas du tout donné envie. Parce que c'est un truc coop. Vous pourriez pas plutôt... refaire la licence Spyro, non, elle est bien. Non, Crash, ça marche mieux. Oh non, on fait Crash. Bon, après, c'est Activision qui leur dit de faire ça. Hein, parce que... Ouais, bien sûr, mais bon. Ce qui est drôle, parce que pour moi, Spyro est plus connu que Crash, en fait. Bah oui, mais ça a pas l'air d'être le cas. C'est, ils ont regardé les chiffres de vente, et ils ont dit « Oh !» Bah, c'est ça, hein, ça fonctionne par chiffres. 239. Qu'est-ce qu'il fait de plus de money? Ouais, 239. Docteur Shemp. Oh putain. Oh putain. Oh. Qu'est-ce que je fais? Je me fais peur. Je pense que je pense qu'il allait s'allumer un pixel juste après, enfin une frame après que je tape dedans. Ne pas faire une BS Max, ne pas faire une BS Max, ne pas faire une BS Max. Et vite, ouais. Moi je vais faire une pause en arrivant au Tisserder. Voilà. Je le dis. Voilà. Ah non, il va falloir que j'aille faire pipi aussi, de toute façon. Mais là ce sera plus long qu'un temps de chargement. Surtout maintenant. Je suis prêt à y aller. Tu es prêt à y aller? Non. Mais... T'es un peu fâché avec les montgolfiers depuis tout à l'heure. Allez, moi petite pause, dès que j'atterris, je mets mon chrono, comme ça je vois et je me le note. À tisseur. Déjà tisseur de rêve pour toi, quand je vois où je suis. Oh, y a que deux mondes d'écart. Hein. Oui, mais...
0,5646. Allez, je reviens. A tout de suite. A tout.
Bouh. Beaucoup trop entendu. Bouh. Je bois une cul. Eh bah, bon appétit. Ah, que je bois un cul. Ah, que coco. Coucou. Référence de vieux, ça. De oui. Très vieux, même. Pour ça que je la replace. Allez, c'est reparti. Oui. Comment ça, oui? Le voleur à la frame chez les chenilles. Ah, bien, tu vois, tout n'est pas acheté. En fait, faut tirer dans le coin sans que la flamme se fasse arrêter par le coin et ça passe. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, parce que parfois tu tires, mais en fait ta flamme se fait arrêter et c'est mort. C'est ça. Bon, il s'est bien passé ce niveau. Bon, le baiser des Fagouines. Le baiser des dieux. Oh putain. Oh bah non, mais pas lui quoi. D'habitude j'ai à la frame. Bah voilà, dès que tu fais un truc bien, tu fais de la merde derrière. Ah, c'est sweet. J'ai peur que Sparks m'ait pas pris un truc à un endroit, mais apparemment si. Sparks, dès que je suis un tout petit peu content, c'est de la merde derrière. Je fais le voleur des chenilles à la frame. Par contre, le voleur qui tourne, là, je l'ai pas. Voilà. C'est ça, souvent on se contente d'un truc, on se dit ouais, trop bien. Non, mais le voleur qui tourne, quoi, je l'ai toujours au début. Je me suis juste tapé 4 ou 5 tours de la zone. Voilà. Kosoko, c'est bien. Tu te sauves 45 secondes pour en faire 45 derrière. Utilité 0. Ça va aller, mon petit, ça va aller. Non. Il y a un enfant, tu sais. On est bientôt arrivé. Non. Ça m'agace. Personnage de Seigneur des Anneaux, ça. Peut-être. Mais non, c'est Sam. Ah. Je l'ai vu une fois, mais il y a longtemps. Et j'ai des potes. Ouah. La dernière flamme qui m'a permis de le péter, putain. Si je l'avais pas eu, lui, j'aurais été salé, va. L'ultime flamme, quoi, le... J'ai plus un poil de sec, là, tu vois. Ce niveau, n'empêche que moi, quand j'étais gamin, j'ai cherché où est-ce qu'il fallait aller pour aller en haut, là. Ah, oui. Ah, ah, hé, prends... Hé, pourquoi il prend pas le tourbillon? Hey, j'ai fait trois fois le tour dans le tourbillon, il veut pas. Moi aussi, je cherchais partout. Mais il y a une autre partie au niveau, mais comment on fait pour y arriver? Il manque plein de trucs, je comprends. C'est ça, il manque 100 gemmes. C'est ça. Même un dragon, quoi. Le pire, c'est que tu l'entends, le dragon. Mais oui, c'est ça le pire. Allez, embrasse-moi. Je te balance ton porc. Balance ton Spiro. Balance ton dragon. Ça, c'est plus par la fenêtre que t'as envie de balancer. Ah, parfois, oui. C'est très rare ce que je viens de faire, mais je viens de gagner du temps. Habituellement, je crame du temps pour rien ici, en me trompant de côté avant d'aller au coffre, et bah ben là j'y ai pensé.
J'ai gagné 10 secondes. Bah c'est bien. Oui. Ah, il me reste un coffre ici. Des moments de réflexion inutiles. J'ai pas entendu ta phrase en fait. J'ai fait des trucs bizarres, mais ça passe. Ah oui, c'est plutôt une bonne chose quand c'est dans ce sens-là. Des micros hésitations, des retours de caméra, de dire ah, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas. Mazi, allez, n'êtes prêt? Complètement mazo. C'était le Twitch ban. J'étais parti sur autre chose. De plus user friendly, mais oui. Lena. C'est encore ça. Elle. Ou lui. Allez, bisous. C'est pareil, le consentement, tout ça. Allez, bisous. Allez, bisous, là. Embrasse-moi, saloperie. Embrasse-moi sur la bouche, plus vite que ça, bordel. C'est horrible. Oui. Attends, j'ai mis 0,56,4 sur Tisseur de rêve. C'est 40 ou c'est 0,4? Je sais plus. J'ai pas cherché à retenir. Mais... Ouais, moi non plus, en fait, c'est ça le truc. C'est le principe de le noter. Ouais, peut-être que je commence à noter ce genre de truc aussi. Moi, c'est juste pour me donner une référence de temps en temps. Ah oui, regarder. Aussi, hein. Parce que parfois, je me dis que j'ai fait une grosse merde et en final, je m'en sors. C'est ça, c'est ce que je me dis aussi. Des fois, je me dis putain, mais il y a run de merde et en fait, t'es 2 minutes devant. Voilà. Ce niveau-là, j'ai toujours... Ah zizi, c'est toujours bien. Alors que ces derniers temps, ça va. Ah, elle me fait bouffer. Oh, je me fais bouffer par un chihuahua, quoi. Chihuahua, pam, 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 pam. Ah ! Il merde. Je sais qui est là, lui, pourtant. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Quand c'est pas le cul. Tu peux toujours t'assurer dessus. Ah non, c'est pas ça. Jarvis. Oui, monsieur Stark. Jar Jarvis. On n'a pas les mêmes rêves. Non, mais je préfère... Oh merde, je préfère Étienne. Mais d'où il me frappe, lui. Ça fait 3 coups que je me prends dans ce niveau, alors qu'habituellement, je me prends jamais rien. J'ai encore le nez qui me gratte, ça me gave.
j'ai ouvert la fenêtre, instantanément, le nez gratte. Putain, j'étais pas allergique avant, c'est ça qui est fou. Non mais cette année, j'ai plein de gens qui me disent la même chose. Oui, non mais nous au boulot, on a plein de gens qui sont pas allergiques et là, cette année, qu'ils sont. Ouais, mais c'est ça. Et ça m'avait plutôt épargné pour l'instant, et là... Cette année, il est là. Ah, ça me gratte encore, mais putain, mais faut que j'aille curer ça avec la brosse à chiottes ou quoi? Oh, l'image du mal. Non, mais il le disait que c'était vachement violent cette année, bah ouais, ça a touché même des gens autour de moi qui n'étaient pas d'habitude. Oui, oui, non, mais nous, le nombre d'antihistaminiques qu'on vend, parce que pour des gens qu'on leur dit vous avez l'habitude, ah non, c'est la première fois. Ouais, c'est ça. Je dis bravo, tu vis ce que je vis chaque année. Mais là, ouais, mais moi qui suis vraiment pas allergique à rien, quoi, bah là, cette année, waouh, la violence, quoi. Si, à moi-même, à mon sel. Je suis dans la merde si je me mets allergique à mon propre sel. Ah oui, une auto-immunité, maladie auto-immune, auto-salière. Une mouille. Non, une maille. Maladie auto-immune. Je suis où là? Aïe! Mais je sors du niveau, espèce de con, hein! Putain, et l'autre, le temps que t'atterrisses, il te dégomme ta gueule. Le jeu, aucun respect. T'es sorti du niveau. PAH! Allez, allez! Range tes dents. J'ai peur que je suis pas à 500. Il y a marqué 500 sur 500 en bas. Je fais ah, possible. Mon envie de pisser increase. Ah moi c'est bon, j'en ai profité pendant ma pause cut. Y'a eu. Au château. Oh mais merde. C'est quoi ce yo-yo? Au château. Ah oui, je t'ai vu passer au-dessus de la gemme. Et non. Ah oui, non mais... Avec les lunettes de soleil qui chantent du Yannick. Finir cette run plutôt que ça dans la journée. Enfin, je vais la finir, c'est alors que je fasse à manger. Si je l'ai fini. Oh, écoute le. Ouais, on n'est pas à l'abri d'un immense rich kit. C'est vrai. Je prends mon temps pour le navion. J'ai même pas assez pris mon temps, c'était trop juste. Je me dis, ah, c'est bon, je suis large. Non, non. Il y a bon. Forcément un routing où t'as pas besoin de faire ça. Mais... Oui, oui. Mais c'est ma prochaine étape d'apprentissage, les routings des vols. Vols ouais. Parce que je sais qu'on fait des vols pas du tout optiques. Enfin, si, vol de jour, là, maintenant, je suis quasi optique. À vol de jour, je fais le même circuit que toi, mais j'arrive pas à optimiser les avions. C'est celui que je fais depuis le début, mais j'arrive pas à optimiser. Si, je pense que mon vol de glace est assez opti. Les autres, non. Vol de glace, je dois être pas dégueu, mais merdique quand même. Ouais, je suis à 1.12.4. Vol de glace, ça va. J'ai fait un temps. Sur un vol temps de glace, c'est à 1.12.4. Non. Non, non, celui-là où je suis là. Vol de cristal, je crois. Oui, c'est ça, cristal. J'aurais dû recharger Sparks avant qu'on parle. Recharger Sparks. Ouais. C'est quoi en micro USB? C'est non, c'est en libellule USB. Ah, pourquoi ça me fait rire? Je sais pas ce que je viens de faire. Je viens d'appuyer sur ma joue. Je ne sais même pas pourquoi. J'ai voulu me gratter l'oreille, je me suis arrêté à la joue. Voilà, où j'en suis dans ma vie.
Qu'est-ce que tu... Pourquoi ça me fait souffler? Souffler du nez, c'est le rire d'Internet, hein. Ah bah oui. Okay. Oh. Aïe. Oh. Aïe, mais qu'est-ce que je fais? Redescends! Redescends! Putain, fanfaron, fais pas chier! Mais il est hyper long, redescends! Ouais, sur la dernière phase, des fois, il... Je sais pas si c'est RNG ou quoi, mais... Oui, parce que moi, des fois, il se... Merde, j'en ai oublié un, t'as le con. Mais comment c'est possible, il est en haut? Ah, j'ai ton live qui a frisé, je sais pas si... Ah, ça vient pas de chez moi. Les créateurs d'Animox. Bah toi tu me rattrapes, t'es plus qu'un monde et... Oui bah tiens. Un monde entier et puis t'as fait une pause. Oui là. Excuse-moi d'essayer de te remonter le moral. Tu as combien le temps? T'avais noté le tien? Oui. C'est pour ça que je dis ça. T'étais à quoi? J'étais à 40.06. Ok, on va voir, tiens. Je regarde jamais, mais on va voir. Je suis à 47.28. Oups. Soit c'est moi qui fais un temps de ouf. 40.08. 40.08, quoi? Je suis à 40.08. Ah bah, tu vois. Eh, mais il a fallu que je la recommence, cette une plein de fois. Là, si... Non, mais... Là, si je l'ai laissé, c'est parce que ça me satisfaisait les débuts. Il va me faire un meilleur temps que moi, tu vois. Oula, je suis pas là. Oula, oula, oula. Oh. Dis comment. Vas-y, comment t'en vas. Waouh. Ah, celle-là, elle était violente, hein. Alors là, t'es allé chercher loin, loin, loin. Images, plusieurs images dégueulasses qui me sont venues en tête pour faire une vanne sur ce que j'ai dit, mais je vais pas les... Elles sont toutes, toutes moches. Allez! Village terrasse. Je suis hyper terrassé. Pas super, ne prends pas les gemmes, ce serait dommage d'avancer. Vol de glace. Le seul truc que je vais faire, c'est ne pas marquer mon, ne pas regarder mon temps quand j'arrive au monde de Niasty. Parce que c'est un truc à se stresser. Ouais, ça c'est vrai. Putain! Oh, je prends des risques! Oh, oh, mais d'où ça... Oh, les risques que j'ai pris! Et plus d'électricité. Trois fois j'ai tapé dans des trucs pour rebondir et tu sais. Ah! Ah bah là, bah non, là ça a pas marché, là j'ai fait plouf. Putain, quel con! Ouais, bah là je recommence. Je recommence vol de glace, super. Ah,
perdu 30 secondes. Au moins. Les vols s'appliquent toujours. Non! Oh, le mauvais timing. Baisse ton timing. Bon, oh, voilà. Je me prends les foudres. Tant pis, je prends le temps d'aller chercher un papillon, mais. Ah, ben, j'ai bien fait de tête. Oui, j'ai bien fait. Parce que la petite seconde du papillon valait le coup vu que je l'ai perdu après. Quand t'as un mauvais pattern d'électricité. Oui, je confirme. Ça peut être très chiant. C'est ton PB, ça y est ? Je sais pas. T'as fini le jeu ? 1,08 DGT. Oh putain. Wesh, je suis à ça. Jacques. Ce niveau qu'il est bien. Le niveau de l'amour. Ça, le niveau Splatoon, un bonheur. Niveau Splatoon. Ah oui, l'avant-dernier, oui. Enfin, oui. Et j'ai compris. Merde, j'ouvrirai mon volet après. Baloum est en train de. Ah ouais, non, mais complètement. Marie Brumux ! Anne de la mort ! Ouais. Quasiment une heure après Christopher. Qui a ramassé la gemme. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Tu replaces bien évidemment. Oh bah oui. Bon, salle de la muerte. J'ai vu que je passais trop près d'elle. Wow, putain, le lutin un peu plus, il m'empêchait de. Il me faisait mourir, ce con. Bon, j'ai perdu Spark sur la salle de la mort quand même, sur ce coup-là. Hein. Mais je suis pas mort. Donc c'est pas la salle de la mort. Spark, c'est pas terrible. Du coup, je vais reset Spark. Pleurer un petit peu. Oui, aussi. Ah, ça y est, il arrive le pipi. Oh, j'ai eu du bol, il m'a raté le mec, je suis passé à travers le son coup. Parce que il risquait de me pousser dans le vide ce con. Je me doutais bien que j'allais pas être ramassé celle-là. Révilo. Révilo. Ce à quoi j'ai pensé aussi, malheureusement. J'ai toujours pas fini ce jeu-là, d'ailleurs. Étonnant, venant de moi, un jeu pas fini.
L'IBS, elle a renoncé à le reprendre pour le platiner. Elle se valoumise. Lui dire, fais gaffe, tu vas finir comme lui. Un aigri. Enfin, je sais pas de la couleur me demander. Mais... Oh, je... Il est pas de cette couleur, là. Andouille. Bon, allez. Je suis un faune, Andouille. Je suis un café, Andouille. Il faut que je le fasse, ça. Mais... J'y pense, mais... Je sais même pas pourquoi ça m'amuse alors que c'est nul. Mais ça m'amuse. Ah, parce bah tiens, en parlant de café, je... Ika, si tu es là, tu peux aller me... Mon café, je l'ai fait couler, j'ai oublié de le prendre. Ah bah c'est ballot, ça. Il va être froid. C'était de ma pause, donc. Et j'ai pas mis de sucre dedans. Oups. Non, mais elle m'a dit, si t'as besoin de quelque chose pendant ta run, tu me dis. Bah voilà. Je suis à 407. Ah bah voilà. Là, le chiffre est bon. 407, je suppose que j'ai 407, noté. J'ai noté 397. Une gemme que tu prends que je prends pas, bah c'est bizarre. Bah, non mais c'est peut-être moi qui me suis trompé en écrivant. Hein. En fait, tu dois, tu, 407, c'est au moment de grimper. Si tu l'as noté à Booba, c'est normal parce que derrière, il y a 10 dans le coffre. Je sais plus. Là, je compte après. Et avant de grimper sur la fin. D'ailleurs, je suis en train de me dire, ça fait quoi si Delbin, le dragon du monde de Niasty, là, tu le prends pas et tu bats Niasty, il apparaît deux fois? Bah peut-être. Tu sauves Delbin et puis après il y en a encore un. Hein. Tu dis, mais je viens de le sauver. Ouais, c'est ça, parce que d'un coup je viens de me dire ça. Ouais, j'y ai pas pensé. Mais c'est vrai. Vu que c'est le seul dragon qui réapparaît, entre guillemets. Plus de danger. Non mais sans déconner, Sparks, je suis passé dessus deux fois. Il n'y a pas ramassé. Mais pourquoi il ramasserait? C'est ton esclave, c'est ça? Oui, je le nourris pour ça. C'est mon employé, je le paye en papillon. Oh putain. Ça devrait pas être ton employé. Hein. J'ai le droit de libérer. Et quand tu dis quitter, rentrer à la maison. Spark s'est déçu. Je m'amusais bien. Ah, moi aussi à courir après les dingos à pied bleu du putain de circuit du port, on s'amusait bien. Ils t'ont marqué, bizarrement. Ouais. Ouais, franchement, cette course-là, je la déteste. Avec le stress de la run, en plus, ça va peut-être pas aider. La fatigue aussi. Putain, j'ai... En vrai, le petit cri que t'as fait, effectivement, ça c'est... Putain. Allez, voilà. Fais chier. Là, vraiment, fais chier. Allez, vas-y. Bon, je crois que j'ai arrêté. Non. Ça sert à rien. Là, c'est Run Killer. Je sais pas ce que t'as fait, mais... Run Breaker, et de toute façon... Toi, t'as bientôt fini. Et non. Et non, deuxième. Et dégage, Laura. T'es obligé de prendre 3 tonneaux pour péter ça, quoi. Comment rajouter une minute entière au chrono? Puis alors une vraie de vraie, hein. Pas une façon de parler, hein.
Bon là il est frisé chez moi mais je pense que c'est moi. Oui c'est bon parce que j'ai... Ah la fibre à Paris lâche, ça y est. Ah je sais pas, en tapant violemment mon bureau, ça a mis ton live en pause. Il était mis en pause en fait. Ça a tapé ton bureau, j'ai même pas entendu toi avec le... Tu fais une moi d'avant-hier. Ouais, non mais là je suis deg quoi. Tomber dans l'eau aux trois quarts de vol périlleux. Ça fait une minute de perdu. Et une minute, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Quand veux-tu que j'arrive à faire mon objectif d'une 30 en perdant une minute entière? Il y a un jeu que j'ai envie de faire, qu'il va falloir que je stream d'ailleurs, qui est à la mode en ce moment, c'est Only Up. C'est quoi? C'est un jeu où le truc comme tu sais, machin par Bennett Foddy, là, où tu te cassais la gueule, et ben là en fait faut que tu montes super haut dans l'espace, et si tu tombes, et ben c'est retour, enfin tu retombes super bas, tu perds beaucoup de progression. Et tu... Même principe que l'autre quoi. Get over it. Get Uber Eat. Ah non, c'est bon. Sauf que là, c'est en 3D. Apparemment, c'est beau. Mais le problème, c'est qu'apparemment, ça demande beaucoup au PC. Ah. Ce qui me fait peur. Clitus. Le petit clitoris. Voilà. Encore les mêmes blagues, hein. Toujours pas drôle. Mais... À Clitus aussi, on le sauve deux fois parce que... Ouais, bah tous ceux du dernier monde, en fait, tu les sauves. Ouais, c'est vrai, ils ont été repierisés. Pierrisé. Qu'est-ce que je suis salé là. Ah là le tomber dans l'eau sur vol périlleux. Bah moi je suis tombé dans l'eau vol de glace donc tu vois. Chacun sa croix. Ouais. Chacun son vol de merde. Bon je crois qu'elle m'a pas. J'espère qu'elle m'a pas touché avec son flash Gordon. Freeman. C'est pas Gordon Ramsay. Je serai leur pire cauchemar. Mais va te faire foutre toi. Un idiot sandwich. Sandwich. D'où je sors le thé. Sandwich. Bon, j'ai plus Sparks. J'ai réussi à faire assez de merde pour perdre Sparks ici. J'ai fait une BS. Faire de la merde, ça s'appelle faire une BS. Oui. Non, sur ce niveau. Sur le niveau Splatoon. Je suis salé avec moi-même, donc je m'auto-flagelle. Ah bah voilà, je suis mort. Oh mort sur le niveau Splatoon, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Ah bon, moi aussi, depuis au moins à chaque run. Oh putain, mais lâchez-moi les poils du cul. Heureusement que t'as dit lâchez-moi, parce que... Oui. Oh oh non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a snipé le mec, j'ai jamais vu ça. T'es en train de vivre sur ce niveau ce que je vis régulièrement dans ce niveau. Une horreur absolue. Mais habituellement non. Tu te BSifies, attention. Ah, mais habituellement ce niveau passe comme dans du beurre, mais là...
ce niveau il passe comme dans du plat. Hein. J'espère que j'ai pas oublié de gemme en plus, il manquerait plus que ça. Non, c'est bon. Jamais de la vie, ça me fait ça. Je suis pas sûr qu'il ait bien pris toutes les gemmes en sortant de Cime des Armes. Sparks, il me fait peur, Sparks. Gunasetigonork. Yes. Je mange un petit pas au lait. Parce que tu vois, j'arrive en fin de run, je me retrouve comme l'autre jour. Mais bah oui. Connard. Mais je pense que ça tire trop sur le cerveau. Bah psychologiquement, ouais. C'est une attention et une vitesse, blablabla. Je suis un faible en douille. Ah bah génial. Vraiment, tout est génial. J'ai perdu Sparks ici, on est bien. Aucune bestiole avant un petit moment. Sparksé. C'est combien avant d'aller à Agnesti? 179 je crois. Ok, donc je c'est plus ça. Tout à fait sûr, oui, oui. Je crois que oh, c'est ça. Colle. C'est sur quoi je tombe en fait, donc c'était juste. Ouais, c'est où? Heureusement que je sais que c'est 239 face à Diki parce que je serais parti alors qu'elle était juste à côté de moi, elle est là. Je l'ai vu après, elle me dit oh mais elle est là. Bah oui, il fait ça. J'ai pas le temps. Je vais reprendre un pas au lait, mais j'ai pas le temps. Oh, c'est fichu SSD. C'est ça. Non, c'est juste que là, c'est la fois où j'ai tapé Agnesti la première fois, et du coup. Adieu, Nord. Il est où l'autre? Oh non, t'es sérieux à me taper ici, à 10 000 km de toi, et me faire perdre Sparks maintenant? Que sale connard. Mec, t'as lancé un truc à la gueule. Das butinos de Nastignol. J'en ai marre de perdre du temps tout le temps, au lieu d'en gagner. Faut que je sois moins dur avec moi-même aussi, mais je me saoule. Bon déjà, je fais le butin avec Sparks, c'est déjà pas mal. Bon, du coup, le butin oui. Sans Sparks, waouh. Ça pique. Ouais, forcément. Quand même. C'est un peu chiant. Bah oui.
tisseur de rêve. Putain, Niasti, j'ai toujours fait à la zob. Je continuerai, je pense. Bah, y a pas un routing ultra précis sur ce niveau, je trouve, ou alors j'arrive pas à le percuter non plus. Mais... T'as une direction de base, mais je sais pas comment tu peux affiner le truc beaucoup, beaucoup. Avec de l'emmental. Je te dirais bien t'es con, mais je préfère te dire compter. Ça vole pas haut en fin de stream. Enfin. Je suis pas encore à la fin. Oh putain, mais comment il fait un dash là? Ça me dégoûte. Tu te dis, t'as toujours un petit espoir que tu vas le rattraper, mais non. Et non. Ah, le dash cancel quoi. Mais ils sont où ces putains de champignons? Ils ont des pop. Ah ouais, oh la vache! Alors ça c'est moche parce que comment je vais faire? Je vais mourir au début de niveau. Les champignons près du dragon Mazi, je me suis dit je prends le dragon, je prendrai le champignon après. Mmh. Bah ils se dépop après avoir pris le dragon. Oh c'est con ça, c'est pas normal surtout. Je savais pas du tout que ça faisait ça. Bah, ça doit être que à celui-là parce que des fois... Après moi j'ai le réflexe de souffler dessus avant pour que Sparks il fasse l'animation de les prendre pendant que je suis en train de parler. Moi aussi quand je peux, mais là ils étaient derrière, je pouvais pas. Je me suis dit je les prends après, bah ils ont disparu. Non mais... Oh mais la hitbox de ces armures est insupportable. Les champignons qui donnent des papillons, c'est les pires parce que le temps qu'ils mettent à vanish tout doucement avant de libérer le papillon. Oui ! 1,29,30. Oh bravo ! Ah, c'est beau ça.